Salut, bienvenue sur un nouveau numéro de Wapala, votre magazine avec que de la planche à eau dedans. Cette semaine, session historique au Maroc avec le local Boujmaghilhoul, rencontre avec une jeune kitesurfeuse dont le charme n'a d'égal que sa technique. Et après ce coup de chaleur, on partira en trip en Indo, en compagnie de nos serial trippers Stéphane Etienne et Nicole Borona. Mais tout de suite, on fonce à Le Cat pour les news à Etop. Le mondial du vent de Le Cat n'a pas failli à sa réputation. La tramontane, le vent local, a soufflé fort, très fort. Comme chaque année, le célèbre run de vitesse des Coussoul a accueilli une confrontation windsurf-kite et la guéguerre entre les ailes et les voiles est loin d'être finie. En haut du classement, Rob Douglas et Alex Kézergue en kite se sont battus contre Antoine Albo et Cyril Moussilmani en windsurf. Si le meilleur chrono est réalisé par Douglas, c'est finalement cette bonne vieille planche à voile qui sort vainqueur de la confrontation, car au classement général, c'est la régularité d'Antoine Albo qui a payé. En parallèle, le mondial accueillait aussi la première épreuve européenne de la saison PKRA, un contest de freestyle pas évident avec un vent avoisinant les 40 nœuds en rafale. Au final, c'est l'Espagnol Alex Pastor qui s'impose devant Aaron Adlo et Marc Jacobs. Chez les girls, c'est encore l'Espagne qui brille avec la victoire de Gisela Pulido. Vous hésitez encore à vous mettre au kite, ce film finira sûrement par vous convaincre. Elle s'appelle Kasia Lange, elle est polonaise et navigue depuis seulement 4 ans. Cet extrait est tiré de sa dernière vidéo dont le titre en dit long sur son enthousiasme « I choose kitesurf, I choose to be happy ». Ok, c'est un peu simpliste, mais en tout cas ça fonctionne et nous aussi, on est très heureux. Bon, j'anticipe avant de recevoir une montagne d'emails, l'histoire ne dit pas si cette jolie sirène est célibataire, donc messieurs, je vous laisse lui envoyer vos billets doux directement sur son blog, dont vous trouverez l'adresse dans la description de la vidéo. À la mi-avril, un swell particulièrement énorme est venu frapper la côte marocaine. Ces images ont été tournées entre Essaouira et Moulay, et dans le rôle des gladiateurs, on retrouve les locaux Boujmaghilhoul et son pote Soufiane Sali. Les vagues dépassent taille de mât, l'alizé est puissant, et à l'eau, c'est vraiment la guerre. De mémoire de locaux, la session est historique, c'est dans ce genre de conditions qu'on voit la différence entre les simples mortels et les autres. Thank you.
Le couple franco-canarien Stéphane Etienne et Nicole Borona sont des habitués de ce magazine. Ces globetrotters-surfeurs ont choisi une vie de voyage et de ride. Dans ce nouvel épisode, on les retrouve à bord du Gloria of Grenada, sur lequel ils ont embarqué pour quelques mois à travers l'archipel indonésien. Après Mentawai et Telos, on les retrouve dans un autre petit paradis, les îles Banyak. Situé à quelques milles de Sumatra, l'archipel est réputé pour ses conditions de surf. Les journées s'écoulent paisiblement entre sessions et douces vies à bord du voilier. Quand les vagues sont trop petites, Steph et Nicole, qui ont du mal à rester en place, se jettent à l'eau pour glisser en body surf. Si vous aussi vous pensez que ces deux-là ont une vie vraiment trop dure, laissez donc un petit commentaire et nous lancerons une opération de soutien pour leur venir en aide. La suite de leurs aventures, à voir prochainement sur Wapala, un trip dans l'archipel de Chinijo, au nord des îles Canaries. D'ici là, pour rester en contact avec l'élément liquide, retrouvez Wapala TV sur Facebook et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao !